2024/039 du 28 mai 2024 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres. Le président de la République, vu la constitution de la République démocratique du Congo telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 78, alinéa 4, 79, alinéa 3, 90, alinéa 1er et 3 et 91, alinéa 6. Vu l'ordonnance numéro 22/002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en ces articles 2, 3 et 13, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un premier ministre, revu l'ordonnance numéro 21/012 du 12 avril 2021 telle que modifiée et complétée par l'ordonnance numéro 23/030 du 23 mars 2023 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du Premier ministre, ordonne. Article 1er. Sont nommés vice-premier ministre et ministre aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, messieurs Jacquemin Chabani Louko. Vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, messieurs Jean-Pierre Bemba Gombo. Vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, messieurs Guy Kabombo Mwandiavita. Vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, messieurs Daniel Moukoko Samba. Vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, messieurs Jean-Pierre Liaou et Bois. Vice-premier ministre, ministre du plan et de la coordination de l'aide au développement, messieurs Guilin Niembo Mbizia. Article 2. Sont nommés ministres d'État et ministres aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, messieurs Grégoire Mouchaïl Moutombe Kangaji. Ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Madame Thérèse Kayi Wamba Wagner. Ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté,
Madame Raissa Malou Dinanga, ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement Durable, Madame Eve Bazaïba Massoudi, ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Monsieur Alexis Guissaro Mouvouni, ministre d'État, ministre du Budget, Monsieur Aimé Boji Sangara, ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Madame Acacia Badoumola Bongo, ministre d'État, ministre du Développement Rural, Monsieur Mouindo Dzangi, ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, Monsieur Guilwando Mboyo. Article 3. Sont nommés ministres aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Ministre des Finances, Messieurs Doudou Fouamba Likoundé. Ministre de l'Industrie et Développement des Petites et Moyennes Entreprises, Messieurs Louis Kabamba Watoum. Ministre de Ressources Hydrauliques et Électricité, Messieurs Teddy Luamba Mouba. Ministre des Mines, Messieurs Kizito Pakapomba Kapinga Mouloumé. Ministre des Hydrocarbures, Messieurs Aimé Molendo Sakombi. Ministre de l'Emploi et Travail, Messieurs Ephraim Akwakwa. Ministre de l'Urbanisme et Habitat, Messieurs Crispa Bandou Panzou. Ministre des Droits Humains, Madame Chantal Chambou Mouavita. Ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Messieurs Samuel Roger Kamba Moulanda. Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Madame Safi Sombo Ayan. Ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique, Messieurs Gilbert Kabanda Kourenga. Ministre des Postes, Télécommunications et Numériques, Messieurs Augustin Kibasa Maliba. Ministre du Portefeuille, Messieurs Jean-Lucien Boussa Tongba. Ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, Madame Nathalie Mounanza Aziza. Ministre du Commerce Extérieur, Messieurs Julien Paluku Kaongia. Ministre de l'Intégration Régionale, Messieurs Didier Mazenga Mukanzu. Ministre de la Communication, Médias et Porte-parole du Gouvernement, Messieurs Patrick Muyaya Katemwe. Ministre de la Formation professionnelle, Messieurs Marc Ekila Likombio. Ministre du Genre, Famille et Enfants, Madame Léonie Kandolo Omoi. Ministre de la Pêche et Élevage, Messieurs Jean-Pierre Chimanga Bouana. Ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Messieurs, Madame, Yolande Elébé Mandembo. Ministre du Tourisme, Messieurs Didier Pambia Moussanga.
ministre des Sports et Loisirs, messieurs Didier Boudimbou Toabouanga, ministre de la Jeunesse et Éveil Patriotique, madame Noëlla Ayeganagato Nakwipon. Article 4. Sont nommés ministres délégués aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Ministre délégué près le ministre des Affaires étrangères en charge de la coopération internationale et francophonie, madame Bestine Kiazadi Ditabala. Ministre délégué près le ministre de l'Urbanisme et Habitat en charge de la politique de la ville, monsieur Didier Tengue Telito. Ministre délégué près le ministre de l'Environnement et Développement Durable en charge de la nouvelle économie du climat, madame Stéphanie Mbombo Mwamba. Ministre délégué près le ministre des Affaires sociales en charge des personnes vivant avec handicap, madame Irène Essambo Diata. Article 5. Sont nommés vice-ministres aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, madame Eugénie Chiella Kamba. Vice-ministre des Affaires étrangères, madame Gracia Yamba Kazadi. Vice-ministre de la Justice et Contentieux International, messieurs Samuel Bemba Kabuya. Vice-ministre du Budget, messieurs Élisée Bokwamwana Maposo. Vice-ministre des Finances, madame Onège Ntsele Mpimpa. Vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant, messieurs Sami Adubango Awoto. Vice-ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, messieurs Jean-Pierre Kézamoudrou Moussissiri. Vice-ministre des Mines, messieurs Godard Motemona Guiboloumé. Vice-ministre des Hydrocarbures, madame Wivine Moleka Nsolo. Vice-ministre des Affaires coutumières, Mouamindézé Katourébé Jean-Baptiste. Article 6. Sont abrogés l'ordonnance numéro 21/012 du 12 avril 2021, telle que modifiée et complétée par l'ordonnance numéro 23/030 du 23 mars 2023, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres, des ministres délégués, des vice-ministres, ainsi que toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 7. Le Premier ministre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 28 mai 2024, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, Judith Souminwa Touluka, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa le 28 mai 2024, le cabinet du président de la République, Guilanyembo Buizia, directeur de cabinet. Je vous remercie. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez suivi la lecture.